Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour essayer 4 guitares avec la même forme chez Gibson, la J45 Studio, la J45 Standard, la Southern Jumbo et la Custom Shop 1942 Banner Southern Jumbo. 4 guitares avec la même forme donc, mais pas du tout le même son parce qu'on n'a pas voir les mêmes bois, pas les mêmes manches, vous allez voir tout ça. Les 4 modèles qu'on va voir aujourd'hui sont disponibles sur notre site en magasin, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil ou à passer au magasin pour voir ça. La J45 Studio c'est donc une nouvelle version de la J45 avec une table en épicéa, dos et éclisse en palissandre et pas en acajou, un manche au profil arrondi, allée électro, avec un système Airbags Elements et on va avoir aussi deux finitions, une finition satinée naturelle et une finition satinée Sunburst. La J45 Standard, vous la connaissez sûrement, c'est le modèle le plus vendu de chez Gibson en acoustique, une guitare emblématique que vous avez entendue sur des centaines et des centaines d'albums, corps en acajou, manche en acajou aussi, touche palissante, table en épicéa. Le manche est au profil Slim Taper, donc un profil assez fin, vraiment facile à jouer. La version standard est électro aussi, mais avec un système un peu plus haut de gamme que ce qu'on a sur la studio, on va avoir un LR Bags, un système VTC. On aura ensuite la Southern Jumbo qui est en fait une version deluxe de la J45 standard avec les mêmes essences de bois, le même profil de manche, mais des finitions un peu plus sympas avec des incrustations sur le manche, des mécaniques un peu plus jolies et une petite repère sur la tête assez sympa. On finira avec la Custom Shop, la 1942 Banner Southern Jumbo, une version vraiment haut de gamme de chez Gibson qui reprend les caractéristiques du modèle 1942, donc avec un manche un peu plus épais, encore en palissandre, table en épicéa, manche à cajou et touche aussi en palissandre. On a une finition VOS patinée, donc c'est pas un vernis brillant, c'est vraiment une vernis pour donner l'aspect vintage à l'instrument. Ce sera pas la guitare la plus facile à jouer, mais vous allez voir, elle a un vrai joli son, c'est super chouette. Allez, on va tester d'abord ça au médiator et puis on verra ça après au jeu au doigt. C'est parti! Comme vous avez pu l'entendre, les 4 guitares sonnent vraiment super bien au médiator. La J45 Studio, c'est celle qui va avoir le son le plus moderne. On a beaucoup de graves, beaucoup d'aigus, un petit creux au milieu. Elle a beaucoup de projection avec un son assez brillant, un peu plus punchy que les autres. La J45 Standard, elle a vraiment ce son typique de la J45, vraiment super moelleux, très rond, les aigus sont pas agressifs du tout. On a ce côté assez doux, assez chaleureux. Il y en a quand même vraiment ce côté projection qui est vraiment présent, quoi. La Southern Jumbo, elle va être assez proche de la J45 Standard, mais avec un côté un peu plus brillant, un peu plus clair, les aigus sont un peu plus définis que la standard. Enfin, la 1942 Banner a vraiment ce son typique, les notes sont plus déliées, c'est un peu plus riche, le spectre est plus large, plus de graves, plus d'aigus que sur les autres, c'est vraiment joli, c'est très dynamique, ça répond vraiment bien à l'attaque. Allez, on va essayer ça maintenant au jeu au doigt.
une fois, les quatre guitares, ça sonne super bien, même au jeu au doigt. Mais alors, quelle guitare choisir? Et bien là, ça va dépendre de votre budget et de votre type de jeu. Si vous voulez une guitare avec beaucoup de projections, un son assez moderne, assez brillant et vraiment rentre dedans, la J45 Studio peut être faite pour vous. Si vous cherchez vraiment le son et le look typique des Ranch Holder chez Gibson, c'est vraiment la J45 qui va marcher. C'est le modèle le plus vendu chez eux, ça reste une référence depuis des années. Si vous voulez une guitare un peu plus sympa au niveau du look, vous voulez des finitions un peu plus travaillées, la Southern Jumbo est faite pour vous, avec ses incrustations, elle est vraiment super chouette. Ça reste quand même très très proche de J45 standard, avec un son un poil plus brillant, mais c'est vraiment le même esprit. Enfin, si vous voulez vous faire plaisir avec une guitare d'exception, vous pouvez opter pour la 1942, le modèle Custom Shop de la Southern Jumbo. Une guitare super belle, facile à jouer malgré son gros manche, alors un peu moins que les autres, mais quand même voilà, c'est vraiment l'esprit vintage. Et un son vraiment riche, vraiment dynamique, le spectre est très très large, on a plein de fréquences, donc c'est vraiment super cool à jouer et à écouter. Voilà, merci d'avoir regardé cette vidéo, j'espère que ça vous a plu, essayez de faire quelque chose d'assez simple et rapide pour entendre ces 4 belles guitares. Comme dit en intro, les 4 modèles sont disponibles en magasin pour venir les essayer et sur notre site, donc n'hésitez pas à aller jeter un coup d'œil. Merci à vous, abonnez-vous à la chaîne et puis à bientôt.